Hello, welcome to Ad. I'm AdOS, your artificial intelligence and your personal assistant. Adopt est une joint venture entre FIV et Michelin qui propose sur le marché des imprimantes 3D pour fabriquer des pièces métalliques. Une révolution qui permet pour les industriels de produire des pièces extrêmement complexes qui sont irréalisables par les moyens conventionnels. On s'est rendu compte qu'il fallait bien entendu accompagner les industriels pour qu'ils puissent penser additif. Donc il y a toute une étape de formation et de consulting que l'on propose à nos clients. On propose également un jeu vidéo pour pouvoir enseigner l'impression 3D de manière ludique. Nous avons réalisé pour eux 3 gros projets. Une plateforme de formation, une application en réalité virtuelle, ainsi qu'un serious game. Alors on a été très exigeants et les clients ont été aussi très exigeants. L'idée c'est, je reprends les mots du client, c'est d'avoir un projet de formation, mais un serious game remarquable et remarqué. Et la première démo qui a été présente dans les salons l'atteste que c'est une réussite. Dans ce serious game, on est vraiment immergé dans un add-up, je dirais, horizon 2050, donc un futur proche. On joue le rôle d'un nouveau collaborateur, donc c'est un scénario classique, hein, pour pas trop dérouter non plus l'apprenant. On y arrive, on est accueilli et on va parcourir tout ce bâtiment et découvrir tous les corps de métier finalement que représente la fabrication additive. C'est un univers qui est tout en 3D. Totalement immersif, dans lequel on est relativement libre et guidé à la fois. Pour cela, on a utilisé tous les leviers de gamification possibles, que ce soit la narration environnementale, la pédagogie inversée, des quiz déguisés par le biais d'échanges, de dialogues entre plusieurs personnages dans lesquels on intervient aussi. Moi, j'ai surtout travaillé sur l'application de VR, de réalité virtuelle, donc Adobe Immersive. On a propulsé l'utilisateur dans un bâtiment à l'image d'Adup, donc innovant. Et donc on peut découvrir à l'intérieur un showroom, mais aussi des téléportations qui nous amènent directement dans les ateliers de Clermont-Ferrand d'Adup pour montrer en image là où sont conçues les pièces aujourd'hui et la meeting room dans l'application qui permettent d'y projeter des différents fichiers, des PDF, des vidéos, des teasers, des formations. Et dans l'application commerciale, l'idée c'est qu'on s'y retrouve tous ensemble dans la meeting room. Donc qu'on puisse se voir, qu'on sache où se trouve la personne et qu'on puisse faire une réelle réunion en virtuel. Et on a pu faire une expérience 360 en captation réelle, en parapente, donc du haut du Puy-de-Dôme, sur l'ensemble de la région de Clermont-Ferrand. Premier gros succès, hein, que ça soit pour la plateforme de formation, la réalité virtuelle, dans laquelle les gens faisaient la queue pour la tester, et ainsi que le serious game. Donc les feedbacks sont plus que positif, je pense que ça dépasse même ce qu'on espérait. Alors nous avons choisi l'usine extraordinaire pour présenter ce jeu, même si les jeunes qui passent, la plupart d'entre eux ne sont pas encore sur le marché du travail, pour voir leur réaction et voir comment un jeu comme ça qui est du serious game, voir un peu comment ils réagissent, et on est certain que c'est quelque chose qui leur plaît, et vu leur réaction, on est très satisfait.